Ah oui, bonjour. Excusez-moi, je pensais que je... Hop. Je pensais que j'avais mis la scène. Pardon. Coucou vélo, coucou Zorkta. Comment ça va? Oui, test, test, évidemment. La forme? Youh, il fait chaud. Il fait chaud, chaud, chaud chez moi, c'est terrible. J'espère que chez vous, ça va. Bon, on va faire la cactus ce soir, hein. Et on va essayer de faire mieux que la semaine dernière. Et comme d'hab, il va y avoir Nakiro avec nous, ça va être cool. D'ailleurs, il est déjà là. Hop. Bonsoir. Allô? Ouais, tu m'entends, c'est bon? Oui. Oui, bonsoir, ça va? Oui, ça va et toi? Sauveau. Sauveau. Oui. J'ai un peu de malaisie en t'attendant. Je faisais un peu de malaisie en m'attendant. Très bien. Et alors? Oui. Bah, ça va. On D'accord, verra. ok. On verra. Pas grand-chose à dire, hein. C'est la Bon, malaisie, quoi. moi je vais me remettre vite fait les. Non, les numéros de téléphone, ça va, ils sont vraiment faciles à retenir en vrai. Donc si Non, on ça a, va. ce sera pratique. Non, par contre, c'est plus le coup des villes qui sont cachées sous le nom des régions, là c'est un. Bah après, il n'y en a pas beaucoup, ça va. Il n'y en a pas beaucoup, mais j'ai pas envie de perdre la moitié du timer à trouver. À retrouver la vie, À ouais. trouver la ville alors qu'elle est vraiment genre pas évidente à trouver. Pour rappel, j'ai tout à fait légalement récupéré cette image hier en stream sur je ne sais plus quel site d'ailleurs. Comment on fait? Comme ça. Tu l'as vraiment payé en plus, j'ai Ouais, je l'ai payé de ouf avec ma carte bleue et tout. Même que j'ai leak le code en live, hein, n'hésitez pas à revoir la VOD. Chat, oui, il y a le chat là, un petit peu. Coucou nous. Tiens, voilà, elle est là. Légalement, oui, tout à fait. Il n'est pas impossible que j'ai glissé sur le bouton imprime écran. Voilà. Ah. Donc ouais, alors Kangar, alors c'est tard, Georgetown, Hippo. Oui, Hippo c'est Perak, évidemment. Tabarou. Voilà Tenraganu. Mais Tenraganu, ça va, parce que c'est quasiment le même nom que le. Ah oui, que la région. Que le territoire, donc ça c'est cool. Ça c'est. Kwantan, voilà, donc pour Putra Raya, Seremban, Bandar Melaka, ouais, Melaka c'est pareil, Shah Alam, bonjour Barou, ça va, Kuching, oui, qui était à Sarawak, tout à fait, et Kota Kinabalu, mais c'est pareil que, que la montagne. Désolé, hein, le chat se frotte au micro, je Ah, m'excuse hein, si ça s'entend. Avec un peu de chance, elle vous ronronnera dans, dans les oreilles. Vas-y, ronronne, vas-y, là, oh. Bref. Et évidemment, je fais des câlins au chat alors que je meurs de chaud. D'ailleurs, on n'entend pas le ventilateur, ça va? non, on n'entend rien, c'est bon. Oh, c'est nickel, alors, parce que la purée... Il fait chaud encore par chez toi, chez nous, il fait plus si chaud. Nous, enfin, je sais pas, je dirais pas qu'il fait excessivement chaud, mais vraiment, quand tu passes de... T'as passé 8 heures au taf avec la clim et tu rentres chez moi, là, c'est infâme, il n'y a pas d'air, Ah c'est vraiment assez pénible. ouais. Ah non, il y a assez quoi, il y a assez quand. Il y a 23 degrés aujourd'hui, donc c'est ok quoi. Totalement ok. Bah toi ça va, bah c'est bien, c'est bien. Je sais pas Oui. combien il fait, mais je crois que genre la nuit il fait 29 degrés, donc Ah oui, quand même. ouais, si quand même. Ah, quand même. On les voit déjà à peu près les régions. Ah non mais les régions on les voit, c'est plus genre les grandes villes là, tu vois genre Kangar, il va être caché, le nom va être caché sous le nom Perlis et il faut zoomer de ouf pour le voir en fait. Penang, c'est Pulo Pinang. Oui, Pulo Pinang, effectivement, je le vois, je l'ai vu aussi dans un test. Mais sur la map, il y a marqué Penang. Je ne saurais pas dire pourquoi. Peut-être une autre écriture. Moi aussi. Peut-être que ça a Ouais, changé de nom, je sais pas. j'ai vu les deux. Comment? Les Pulo Pinang ou Pinang, c'est pareil. Je sais pas pourquoi Pulo, mais voilà. Non, mais c'est surtout t'as Pinang et Penang en fait. Tu vois, il y a vraiment une lettre de Ah. différence, mais bon. Oui, pas se tromper, mais bon. J'imagine, vu comment tu. Ça doit être prononcé, ça doit être à peu près even. Bon, voilà. Le chat, je ne peux pas accéder au stream deck. Comment on fait? Comment on fait? On se frotte au micro? Je suis pas sûre que ça va aider maman à accéder au stream deck, ça. Ouais, ouais. Bon, donc objectif, faire mieux que la dernière fois. Ça serait bien, au moins.
Mais Ce si on serait peut faire bien. mieux encore que la fois d'avant aussi, ça serait pas mal. Ouais, si on pouvait juste, genre, top 1, en fait. Juste top 1. Ah ouais, juste une petite. Le Non, mais. chat! Peut mieux faire quoi. J'ai réorganisé un peu mon bureau et j'ai un peu reculé mon deuxième écran parce qu'il était prêt et tout et que j'avais envie d'avoir un truc beaucoup plus genre à plat devant mes yeux. Mais le problème est que j'avais déjà. Enfin, j'ai oublié. Mais du coup, ça laisse de la place pour le chat. Et à l'époque, j'avais bougé l'écran exprès pour que le chat ne vienne plus par là parce qu'elle se frotte au micro et des fois, le micro il grince et ça fait des bruits horribles. Il y en a moyen qui est contente. Son. Non! Ah bah ben voilà, elle appuie sur Stream Deck. Au revoir! Ah oui, d'accord. Bon bah c'est fini. Et ben voilà, merci à tous. Attendez. Tapez top, hein, comme prévu. Attendez, j'essaie de deviner quelle touche il faut que j'appuie. Bravo! Voilà. Putain de... Bon, du coup, je vais me saisir tout de suite de. Je peux pas changer les. Bon, attendez, je vais changer de scène à la main comme quelqu'un qui n'a pas de stream deck. Voilà. Oui, bravo! Incroyable. Oh, j'ai fait full merde sur la dernière seed de la Ligue No Move là en France. Je voyais rien. C'était terrifiant. Ah oui, t'as un peu des petits soucis, ouais. J'ai rien vu. Et même à un moment, j'étais en mode genre, oh, ça y est, j'ai trouvé l'intersection des deux départementales qui m'intéressent. Et en fait, il y en avait une. J'avais inversé deux chiffres. Ah J'étais en ouais. mode genre, ah! Aïe. Ah! Ah oui. Ah oui, ah dommage. Ah oui, je vois laquelle, non. Je crois qu'il vit, ouais, effectivement. Ah oui. Pour une fois que j'y ai tout vu. Ouais, mais en plus, je pense que le matin K était vraiment super simple. Et là, ça va vraiment coûter des places dans le classement. Ça va être. Ah oui, puis j'ai pas joué celle du jour encore. Non plus. Oh, voilà, j'ai descendu d'une place vélo qui m'a dépassé, bravo. Au seuil des 300 points pour ma part. Pas loin, je suis juste derrière. Coucou, ouais. Coucou. Voilà. Après, il y a des gens qui sont partis en vacances, genre Ripayou, là, ça fait quelques sites qu'il fait pas. Ouais, c'est vrai. Je sais plus où il est. Il est en République tchèque, je crois. Ouais, il nous avait même envoyé une photo d'un panneau et il nous a dit 5K. Je crois que ça me dit quelque chose. Je suis passé, je crois. Et Ripayou, d'ailleurs, qui a fait la Cactus 6 cette semaine et qui est troisième. Ok. Ça lui réussit les vacances alors. Ouais, ça a l'air plutôt pas mal, hein. Nils qui fait un bon score, hein, comme très souvent. Ouais. Bon, bah écoute, on Moi propose j'ai de la main. commencer. Ouais, on prend la Malaysia Move. Hein. Ouais. Ah oui, Ça attends, va. je vais me remettre en push tout haut pour éviter tout souci de leak intempestif. Voilà, 1-2-1-2, ouais c'est bon, ok. Eh bien écoute, dès que j'aurai dégagé le chat qui est assis sur ma main actuellement, je partirai. Du coup, bonne chance. Bonne chance à toutes. À toute. Bon, le chat. C'est la dure règle de d'habiter avec un chat. Mais si je pousse le tapis de souris, c'est pas pour que t'avances avec. Non. Je t'aime très fort le chat, mais je suis occupée. Un panier là. Bon, je ferais du move, ce serait pas chiant, mais là le. Enfin, du no move, ce serait pas chiant, mais le move là, c'est relou. Bon, allez. Ah oui, donc du coup, ouais, je regarde juste vite fait de nouveau les numéros de téléphone, mais je crois que je les ai bien en tête. 3, c'est Kuala Lumpur et l'autre bled là. Ensuite, ça fait 4, 5, 6, 7, 82, 86, Bornéo Ouest, et 87, 88, 89, Bornéo Est, et 09, le reste du continent. Ok, donc ça, je ferme. Blablabla. Ça aussi, pouf pouf. Bon, tu changes pas d'avis le chat, tu restes là? Le chat reste là. Allez. Dispano? Ok, partons au sud. Hein.
Ah, ça y est, j'avais parti. Bravo. Alors, Balingian et Mouka. Ok. C'est assez plat, il n'y a pas de poteaux caractéristiques du continent encore, avec les petites affiches. Ah, Sibou, j'ai pas vu ça. Sibou, c'est par là. Oui, Sibou, c'est pas là. Ok. Donc, on est entre Sibou, Ibin, Touloum. Ouais, et j'avais dit quoi? J'avais dit. Ok, Mouka et Balingian. Mouka. Balingian. On est vraiment genre tout pile. D'accord. Entre les deux. Ok. Ce serait ça, du coup? Donc, si je continue là-bas. Je devrais bientôt arriver à un croisement. Ah ok, ça courbe un peu vers l'ouest. Plutôt rassurant. Ouais, je suis con, j'ai pas pensé à regarder l'autre côté de la bande kilométrique. C'est pas bien grave. Hein. Tu dis quoi du coup? La Q225. Du coup, je suis pas dessus, c'est ça? Ça, je me suis déjà fait avoir. Ils te disent. J'interprète mal les. Ouais, si, c'est ça, Q255. Ok, c'est bon. Il m'est arrivé des bricoles bizarres en lisant les panneaux avec les numéros de route hier. Oui, ça continue encore, mais est-ce qu'il y a vraiment la mer là? Ah, peut-être, hein. Non, je pense que c'est bon. Ça me paraît ok. Ok. Attention au placement. 19 mètres, c'est le 5K. Bravo. Je vois des poils de chat voler devant mes yeux. Mes excuses. La suite. Ok, on est sur le continent cette fois. Le Novotel. Oui. Hôtel Furama. Onze, c'est pas un numéro de téléphone qui m'arrange ça. Pas trop d'adresses. Tu vois que je marquais typing. 012013, mais ça m'arrange pas ça. Quatre, cinq, c'est ça? Typing, je suis con, c'est marqué là. Ok. L'hôtel, on avait dit quoi? Il y a un nouveau hôtel et on est à côté d'un autre truc. Et là-bas, ça tourne. Pas savoir où je suis exactement. Banque Islam. Est-ce que je le vois ça? Banque Islam. Donc je viens de là, en gros. Donc hop, une rue là. Ah ouais, Hôtel Furama. C'est là. Ok, on est devant les bâtiments.
On est là. Ok, 2 mètres. Ok. Let's go. Oh. On est dans un parc. Ah, le camion. Il y a toujours des trucs intéressants sur les camions. Genre. Ouais, bon, ça peut vouloir tout et rien dire. Zéro sept. 3, 4, 5, 6, 7, 6, ça peut marcher, du coup. Volat Twanku. C'est des bleds dangereux, ça. Mais il y a des panneaux, non, là-bas, je crois. Oui. Ce sera plus simple. Non, on est sur une grosse avenue. Enfin, je sais pas ce qu'on appelle. Comment on appelle ça, si c'est une rocade ou un truc du genre. Ok. On va aller à Kuala Lumpur avec la 1. On a la 5 et la J4. La 5, elle est là. La 1. La J4. J4. Ok, c'est pas tout à fait est-ouest, mais ça m'arrange. Et ça, ça se prend en photo, donc ça doit être le pont que j'ai... Enfin, la sorte d'arche bizarre que... Merde. J'ai vu tantôt. Retour au point de départ. Et donc, je suis dans une sorte de parc, et à côté d'une station essence. Mais c'est pas un parc, en fait. Ouah, c'est ça ? Ah, c'est ça, peut-être. Oui, après, quand je reviens là... Ça a l'air d'être ça. Ok, 9 mètres. Bien. C'est vachement beau. Je sais pas ce que c'est, mais... Un lieu de culte. Ok. Alors... Tac tac, Kuala Lumpur... Wilaya Persekutuan. Ouais, pour l'instant ça se passe bien. Après, je suis toujours un peu... Je suis un peu en galère dans ce genre de point. Saison MRT, Pazar Seni. Ce sera à côté d'une gare peut-être. Pourquoi ça ? Un truc de bus. Lalouan Mazouk Entrance. C'est où le centre névralgique de Kuala Lumpur, c'est par là ? Pazar Seni, j'ai pas vu ça. Lalouan Mazouk. Ah, Pazar Seni. Oui, voilà. Ok, donc je suis arrivée à ce niveau-là. Comment j'y arrive ? Oh, c'est le bordel. Ok... Je viens de quelle rue ? Allez, là, je suis sur la Jalan, quoi. Jalan Sultan. Et je crois que je viens de cette rue-là. Hein. Je sais plus. Bon, Jalan Sultan. Donc, je viens plutôt de par là. Au secours. Ok, mais c'est juste là, donc tout va bien. Oui, c'est ça. Comment elle s'appelle, celle-là ? On s'en fiche et ça a l'air d'être ça. Un truc qui ressemble à un temple, ça ? Avec deux rues qui sont pas tout à fait en face. Ok, 1 mètre. Yay. Allez là. Petit 25K, on va essayer. Non, je pense que ça se passe bien parce qu'il y a la présence du ventilateur. Qui n'était pas forcément là la dernière fois. Oh, jure ! Mais non ! Bonsoir ! Salut les raiders ! Merci beaucoup, Talimpala, pour le raid. J'espère que ton live s'est bien passé.
Si vous venez, enfin, je sais pas si tu étais sur la Cactus League ou sur toute autre activité, en tout cas bienvenue. Et si vous avez vu la Cactus League une fois, bah, vous allez l'avoir une deuxième, parce que je viens tout juste de commencer. On est avec Nakiro en vocal, donc là on est chacun son côté évidemment. Et pour l'instant ça se passe plutôt bien la map, la première map. On va essayer de faire le 25K là. Ouais, ça s'est bien passé toi la Cactus? Merci beaucoup, en tout cas c'est très gentil. Et salut Axide, la forme? Ok. Faites comme chez vous, installez-vous. Tu racontes toi? La 13, Tawau Senporna. Ça me dit rien. Et vu qu'on a déjà eu 3 points là-bas et un seul point ici, c'est peut-être par là. Tawau. Tawao à 50 bornes sur la 13. La 13, c'est celle. Est-ce que c'est celle-là aussi? On ne sait pas. Tawao vers le sud. Ok. Et Semporna? Semporna. Oui, d'accord. Donc par là. Peut-être que là je vais arriver à un croisement bientôt. Ah, il est marqué Awas, ok. Awas qui veut dire attention. Waouh! Excusez-moi, je fais bugger Street View. Pas comme si elle était suffisamment buggée comme ça. Ça avance plus trop, mais je veux voir si. Ah oui, ok, je pense que j'arrive là en vrai. Non. Non, ça marche pas. Ok, on va aller voir dans l'autre sens. Moi qu'on soit là. On est à 34 km de Kunak. La 13, la 22. La 22? Non mais je suis trop loin de Senporna là, je suis pas assez près de Kunak. Non, ça tourne pas dans le bon sens. Bon, je sais pas, j'ai pas compris. Pas compris ce point. Quel dommage! Voir, on est là. Peut-être là. C'est bizarre, mais. On était là. Ah bon, bah dommage, tant pis. J'ai pas compris le point. Sniff. On a raté le 25K de peu. Ok. Ouais, j'ai pas compris le point. J'ai pas compris en fait. Ah, c'est ça que j'ai vu. Ok. Je pense que si j'étais arrivé au croisement, j'aurais compris là, mais je suis pas allé assez loin. Ok, bon moi tant pis. Tampi. On a Kiro, visiblement on n'a pas encore terminé, parce qu'il est toujours full mute. Heureux. Heureux. Bien joué.
j'ai pas compris le dernier point, j'étais triste. Ouais, pareil. Je comprenais pas le placement, enfin... Mais je suis pas parti au sud, donc j'avais pas vu l'intersection. Mais je suis pas parti au sud non plus, en fait. Je suis parti au nord et j'ai essayé de trouver avec les courbures de la route, mais... Pareil, ouais. Moi, j'avais compris qu'on était sur la 13, mais en fait, on n'est pas sur la 13, on est sur... On est sur la 13. On est sur la 13 ? Bah ouais. Ah oui, c'est 13, là. Ah, ok. Je disais autre chose. Ok. Oui, parce que si tu zoomes, enfin, pas loin de là où je me suis mis, il y a marqué AH150 aussi. Du coup, je me suis dit, mais ça peut pas être ça, mais bon. Bon, c'est pas grave, tant pis. Dommage, ça fait perdre quelques places, mais... Ouais. Pas loin. Bien sûr. Ouais, toi, ça s'est bien passé Ça va, bah c'est 30ème. Mais en fait, ce qui est dommage, c'est que les points 3 et 4, ils étaient parfaitement 5K, mais je n'étais pas 5K. Donc ça va me coûter un peu de points, quoi. Mais. Sinon, ils étaient tous 5K en vrai. Hein. Enfin... Ouais. Mais clairement. C'était facilement 5K. Enfin, j'ai pas eu le point à Barou et j'ai pas eu le point à Kuala Lumpur exactement. J'étais dans le bon coin, mais. Ah, ils nous ont mis un point à Johor, à Kuala Lumpur, je suis en mode genre non, vas-y, pas poncer des grosses villes comme ça, c'est horrible. Bon, ça, c'est mais... gentil parce que... Ouais, non, c'était gentil. Oui, mais c'était à côté d'une gare qui se voyait d'assez loin, donc ça va. J'ai pas vu la gare. Oh, mais t'as trouvé, c'est ce qui compte. Ouais, bah j'étais. Ce qui est con, c'est que j'ai cherché la rue, comme souvent je fais l'erreur, je cherche la rue alors que le point d'intérêt se voyait de loin. Ah, et ouais. J'ai pas vu le temple. Mais ben, il est où le temple? Il est où? Mais en fait, il est juste un peu plus bas. Mais bon. Ok, bon. Bon, ça commence pas trop mal. Oui, il paraît qu'elle était facile, la Malaisie Move. De ce que j'ai compris. Ah oui, ça s'est très bien passé, Tavimpala. 13ème, bravo. On est plus haut que la dernière fois? Plus haut, dans le leaderboard. Ah oui, comme ça. Oui. De fait. On passe à l'Europe Move? Eh bien, j'ai la map. Moi aussi. Eh bien, bon chance, à tout à l'heure. Bon chance, à tout à l'heure. Bon, ça fait... J'allais dire, ça fait une éternité que j'ai pas fait d'Europe, mais c'est faux, parce qu'hier, on a fait un peu des seeds no moves de Thomas. Mais là, il va falloir quand même trouver les infos. Et ça fait 30 ans que j'ai pas vraiment train d'Europe move. Donc bon, mais ça fait plaisir, une petite seed... Petite seed Europe. Randallstown. Ok. Allô? Vous avancez? Newsbrook. Ok. Lovni. Ça peut être l'Irlande du Nord. Ah. Randallstown. Ah bah on était sur le pont, je crois. Ah le viaduc. Oh j'ai même pas vu. Il est si beau. Donc on a l'air d'être plutôt au bord, là, comme ça. Ok. Ok, c'est bon. Vraiment, fallait être au milieu. Pour moi, on était vraiment sur la rive, mais ok. Ça m'a pas fait perdre de points, donc... Je suis contente. Ok. Let's go. Oh, des cigognes! Attends, cigognes Hongrie. Pré-shot que c'est genre pas très loin de cette zone. Parce qu'il y a un parc là, je crois que c'est spécial pour les cigognes là-bas. C'est une sorte de réserve naturelle et tout. Bon après, ça se trouve, des cigognes, il y en a partout dans le pays. On verra. Pour Oslo. Alors, on serait sur la 33. Oh, la 33. On peut aller à Arocto. Ok, Bezenyotelek. Mekovez.
Peut-être que la 33, je suis en train de flexer, mais elle fait peut-être tout le pays. Maison de Télek. En allant vers l'ouest. Pour Oslo. La méta-cigogne. Ok. Non. Non, c'est pas ça. Vite. Donc ça tourne. Ah oui, on est plutôt à la sortie de la ville. Ah, il y a de l'eau là qui longe. Ouais, bah il y a un canal. Ouais, ça tourne bien et je pense qu'on quitte bien la ville. Donc on doit être plutôt par là. Il y aurait un restaurant. Ah oui, là, il y a une courbe et tout. Ok, je pense que c'est bon. 4 mètres. Pouh! Les cigognes! Incroyable. Attends, il y a une sorte de... Tisa, ta vie, que centrum. Qu'est-ce que c'est? Ah non, c'est un aquarium, genre? Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Soit. Soit, soit, soit. Allez, next. Ah. Ah, c'est mon pays préféré. Rue quoi? Della pa Pace peut-être? Rue de la paix? D'accord. Petit panneau. Attends, Castel Nuovo. Oh, il y a des Castel quelque chose, c'est pas la Sicile. Montevarchi, Valiali, Castelnuovo, Bérard, Denga, Castel Buono. Je checkpoint ça. Ah, mieux. Siena? Pas du tout. Siena à 9 bornes au sud. Hein. Putain, je suis allée à Sienne, c'était trop bien. Castel. On n'est pas loin de Monteriggioni, lol. Castel Nuovo, Bedaga, c'est à 10 bornes. Donc on est entre les deux. Ah, c'est peut-être Pianella que j'ai vu. Sur un panneau tout à l'heure. Il n'y a pas un panneau d'entrée de ville quelque part? Là, on passe sur de l'eau. Par l'ouest. Ouais, ça a l'air d'être ça en vrai. Hop, j'ai raté. D'accord. Donc là, il y a un truc. Petit chemin de terre. Ah oui, la rue de la paix, on avait dit. Viala del Pace. Ah ok, elle était dans l'autre sens donc. Ah ok, donc c'est pas juste un chemin de terre, on peut... D'accord. On serait sur la... dans la courbe là? Ouais, je dirais qu'on est là. Ok. Oh, 0 mètre. Ouh. Ok. Trop jolie sienne. Je suis pas restée longtemps, je suis restée qu'une seule journée. Après, il n'y a pas énormément de choses à faire à Sienne. À Florence, oui. Mais Sienne, non, t'as un peu fait le tour en une journée. Mais c'est super beau par contre. Là, je suis partie au sud puis à l'ouest. Ah ok, on est au Danemark.
les bollards et puis les hauts barrés. J'ai pas de checkpoint le croisement. On est sur la 52 en direction de Silkeborg et de Breistrup. Silkeborg. 52. Breistrup, d'accord. Et on peut prendre la E45 un jour, ouais. Et ça, tu dis quoi? On est à 4 km de Horsens. Ah, ok. Et ça me part de la 451. Ouais, ok. J'ai pas vu de rond-point. Pas avoir le nom de la rue là. Sauvage. Ok, checkpoint, on revient au point de départ. Waouh. Comme on avait fait déjà. Comme ça. Govban. Ah. On arrive à Horsens, ok. Où déjà? Là. Ah, ça peut-être. Comme ça? Deux mètres, ok. Bon, va-t-elle rater son 25K comme en Malaisie? Ou va-t-elle conjurer le mauvais sort? Suspense. Konauta, Dagda. Dagda, c'est pas là-haut? Attends. C'est... Bon, attends, ok, c'est si nul ce que je fais. Ok. Konauta. Dans c'est où les P quelque chose dans celle-là? Ok, Konauta, Dagda. Ah non, Doudaga, je confonds peut-être. Dagda vers le sud et Kaunauta. Malta. Ah, ok. Ça a l'air d'être ça. Hein. On a le temps de vérifier en regardant ce qu'il y a à notre ouest. Pour moi, c'est ok. Hein. Et c'est le 25K.
Let's go. Je crois que c'est ma première médaille d'or de cette saison, du coup. Ok. Elle était facile, hein, l'accident. Les résultats le montrent clairement. Et après, on fera la monde move. La monde move. Je peux zoomer avec ce truc. Ah, et si je bouge, ça me suit, je crois. Parce que là, je suis loin comme ça. Donc si je fais ça... Stream front, par contre. Alors, je vais devoir poncer, mais... Ok, ok. On attend Akiro toujours. Il doit être concentré. Bon, j'ai pas spécialement speedrun. Attends, il y a des gens, ils l'ont. T'as un Bulgur, il l'a eu en 5 minutes 47. Waouh. Le point 2, il l'a eu en 38 secondes. Ah, la Hongrie, ok. Il avait peut-être le. Oh non, Thomas! Thomas qui fait 5K-1 sur le R3. Italie. Ah, fuck. Bah, je commence à m'inquiéter, là, pour Nakiro. Toujours en vie. Allô. Oui, allô. Oui, je suis toujours en vie. T'as pas fini? Allô. Oui, pardon, je suis en plus de talk, c'est vrai. T'as pas fini ta seed encore? Si, on a fini. Ah, ok, ok, je me suis dit, c'est... J'ai pas speedrun, mais quand même. Ah oui, t'as mis fait en 10 minutes, j'ai fait en 14 minutes, moi, ah oui. Attends, mais Bulgur, il a fait en 5 minutes 47, hein. J'étais en train de regarder ça. Ah oui, d'accord. Il m'a bien joué pour le 5K, du coup, 25K, pardon, du coup. Yes. Ça s'est pas bien passé, toi? Je te vois pas. Je suis 52ème, c'est ok, j'ai raté deux rounds. Il y a deux rounds que j'ai pas. Ah mince. Ah oui, le R2, c'est la Hongrie, c'est ça? Ouais. Ouais, j'ai vu la vie trop tard. J'ai vu les cigognes, j'ai fait, c'est le parc. Ah, j'ai même pas vu. T'as pas vu la cigogne au spawn? Mais non. Ah non. Moi, je me suis dit, vas-y, je pré-shot que c'est dans cette zone, et c'était le cas. Ah oui, putain. Mais oui. Ah d'accord. Ah ben non, j'ai pas vu. Mais bon, un jour ça marchera pas, ce truc-là, hein, je pense. Hein. Les cigognes, elles vont partout. Hein. Elles vont pas que à cet endroit en Hongrie. Hein. C'est, ouais. C'est pas une station balnéaire pour cigognes. Hein. Bah, là, il y en a quand même beaucoup dans ce coin-là. Et le R4, ah oui, le Danemark. Ouais, non, c'est de la merde. Mais il était sur le point de départ du R4. Je me demande si le point a pas bougé parce que. À moi, je suis retourné au point de départ et je savais plus aller retomber sur la route. Ah mince, enfin, hein. Il était coincé sur des petites routes de terre. Enfin, tu vois, les petites routes de terre, quand tu te déplaces, t'as de nouveau la grande route. Oui. J'ai pas réussi à retourner. Merde. Et du coup, ouais. Ah, j'aurais pas dû me décentrer autant, mais. Ouais, tant pis. Putain, ouais, j'ai été lent en fait.
Bah après, l'Europe, je l'ai beaucoup joué aussi. Bon, là, l'assiette était pas encore trop dure. Non, non, ça va. Mais ouais. Quand j'ai Ah, vu le pont en Italie, je me suis dit, oh mon Dieu. Et le premier bled que je vois, je connais pas, c'est genre Castel quelque chose. Il me semblait que, genre, quand t'avais plein de Castel comme ça, c'était la Sicile. Et c'est un peu après où j'ai vu le panneau qui disait Sienne, 5 km. Et là, je fais, ah non, c'est pas du tout la Sicile. Vite. Ah oui, moi j'ai non j'ai un peu galéré, hein. J'ai failli pas l'avoir si hein. J'ai pas j'ai oui j'ai vu machin aussi Castello je sais plus quoi et puis il est nulle part sur la carte. Je sais pas. Ah mince mais À droite du point, c'est Castelnuovo Berardenga. C'est peut-être ah, ça en fait. bah oui c'est ça en fait. Je ne l'ai pas vu. Normalement j'ai vu Pianella à toute fin. Ouais, Pianella, je l'ai vu vite fait sur un panneau, mais j'étais pas trop sûr que c'était la ville. Et quand j'ai zoomé sur la bonne zone, je me suis dit, ah bah, ok. C'est Pianella, je pense. Et il était joli aussi le point en Irlande du Nord avec le viaduc. Oui, il était sympa, ouais, j'avoue. J'avoue. Mais elle était bien celle-ci, j'ai bien aimé. Ouais, j'ai bien aimé également. Très sympathique. Bon, allez, ça va être l'heure de la World. Ouais. Tout à fait. Y a pas tant Voilà. de... Ah, c'est quand même beaucoup de gens qui n'ont 5K. Il y a pas tant de gens qui ont 5K à l'Europe. Si, quand même. Si. C'est quand même. Allez, et eh bien écoute, bonne chance. Bonne chance. Une petite map préparée par Jerry Mandalou. Allez. On va voir de quoi il en retourne. Ok. Pas si c'était pas le nom de la ville que je viens de lire là, mais je vois pas bien. Une ville en C quelque chose. Coney là, ouais, Coney on dirait. Est-ce qu'au sud, avec la plage au sud, je vois un truc qui s'appelle Coney là? Non, on va plutôt aller par là. Ah. N340, toute direction. Oh là, je sais pas où aller. Bon, d'accord. 340, ouais. Je vois rien, je vois pas Conil. C'est très à l'ouest quand même. Ça, je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Donc soit plus par là. Mais j'ai pas l'impression que la N340 elle continue par là. Si elle continue de ouf. Conil! Putain, vite, on doit être là, je crois. Waouh, au secours! Je crois qu'on est là. Oh, let's go! Ah, c'était Conil de la Frontera, bah oui.
Ok, c'est bon. Il y a R, il y a R. Le Cambodge, ok. Tak Mao Campus de Tak Mao City. Je vois pas la ville. Bon, ok. Y a de l'eau. Où est-ce qu'il y aurait de l'eau comme ça? Est-ce que c'est un quartier de Phnom Penh peut-être? Tac, non, Tak Mao. Tak Mao. Ok. Pas trop ce que je peux espérer trouver là qui pourrait m'aider. Je comprends pas ce point. Ok. J'ai la frontière vietnamienne à mon sud, bah ouais. Des machins se veillent par là. Je dois être aveugle, hein, c'est pas possible. Ah, ou alors c'est ça? Mais non, mais c'est là où j'étais! Mais quoi? Genre, c'était vraiment ça? C'était Tak Mao, mais c'était juste. C'est écrit genre différemment. Mais putain, mais j'avais le point, à peu près. Oh putain, je suis une merde. Non. Mince. Attends, en plus, les panneaux qui m'indiquaient des trucs veille et tout. Mercado Público Municipal, c'est. Qui a passe quoi? Je peux pas lire. Ok. Y a pas. D'accord. Faut pas aller par là. Allons par là. Salut Brostov, comment ça va? Ok, qui a passe. Bon, allez, faut que je trouve. Faut que je me bouge là. Je suis pas efficace. 21 de octobre, Mexinadad. Bon d'accord. Donc Chiapas, ça doit être un. Oui voilà, Chiapas. Chiapas de Corzo. Chiapas de Corzo. Ok. Et là je suis actuellement 21 de octobre et Mexinadad. Ok, et on est à côté du marché publico municipal.
Hop, 5 mètres, let's go. Et toi, j'espère que ça se passe bien. Bah écoute, ouais, ça va. Il fait chaud, mais j'ai mon ami le ventilateur pour m'aider. Et ouais, la cactus, ça se passe bien. J'ai foiré combien de points pour l'instant? 2, je crois. Plus d'avant, là, j'étais un peu déçue, là. J'imagine que tu l'as faite, la cactus. Mais genre le R1 de la World, là, où c'était au... Non, c'était le R1. Bon, bref, c'était au Cambodge, là. C'est le R2. J'ai été prank de ouf par parce que j'ai vu sur un panneau qui ressemblait à ça, mais c'était pas écrit exactement pareil. Après, quand j'ai bougé, j'ai vu d'autres panneaux qui m'ont fait me placer à un autre endroit, et bref. Dommage. Mais sinon, ça se passe plutôt bien. Et je pense que les seeds sont globalement moins durs que la semaine dernière. J'ai pas vu... Attendez, je skip cette chanson parce que je sais déjà qu'elle me saoule. Ah d'ailleurs, on peut les dislike comme ça, elles reviennent jamais. Cool. J'ai pas vu ton score. Si tu l'as fait ou pas. Ça va, si c'est que 2 points, tu vas être devant moi, c'est sûr. Attends, parce qu'on en est que à celle-là. On a fait que la Malaisie, Europe et la World. Là, on est en train de la faire. Quarante-neuvième, ok. C'est un peu les scores que je fais d'habitude, hein. On va voir. Ok, bon, ça s'est bien passé la Malaisie No Move de ce que je vois. Et la World LMPZ, t'as fait 21ème, GG. Hein. Bon, on verra bien ce qu'il en est. Ouais, 49ème, exact. En vrai, ça se finit demain. Je pense que ça va aller. Hein. Tu devrais plus trop descendre, je pense. Voilà. En tout cas, je te le souhaite. Ah, c'est les Açores, ça. Le rhododendron au bord de l'eau, comme ça. C'était Cidades. Alors, ça, c'est pas les Açores, Tarila. Ok, avançons. Ok, avançons pas par là, parce qu'apparemment c'est relou. C'est super beau par contre. Trop bien. On va descendre la colline. Ça va, mais j'y rêve du jour où je passe devant Zorkta. Ah oui, ça, on est nombreux. on est nombreux et c'est un objectif honorable. D'ailleurs, en parlant de Zorkta, il participe très souvent à un tournoi chill solo qu'on faisait régulièrement à l'époque où Guidé jouait beaucoup à GeoGuessr et streamait le dimanche. Et il se trouve que bon bah ça a plus trop lieu en ce moment, mais je suis en train de reprendre un peu ça. Et on fait un tournoi du coup vendredi soir à 21h si jamais ça t'intéresse, si t'es dispo. Tu peux venir en vocal si t'as envie, tu peux stream si t'as envie, tu peux faire à distance sans problème, voilà. J'aimerais bien plus d'infos. Merci. Il suffisait de demander. Non, pas du tout. J'ai cru que c'était des panneaux. Un petit nom bled là-dessus. Ah, panneau. Le panal. Ponta Delgada, Capelas, Ginentes. Et moi, j'arrive à Varzea. Ponta Delgada. D'accord, Capelas. Varzea. Ok, et moi j'y arrive comment? Par l'est? D'accord. Ah oui, j'adore ce genre de placement. Je suis pas très douée. Oh, coucou Aquitaine, comment ça va? Ça fait plaisir de te voir sur le stream. Coucou Embargo, merci beaucoup, c'est gentil. Non, ça c'est mon checkpoint, c'est pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est ça. Comment ça va? Oh, il me reste... Bah, je pense que c'est là en vrai.
Non, je crois que c'est plus haut, je crois que c'est là. Elle a bougé, j'ai bougé le point. Quelle connerie. C'était pas du tout là. Ah merde, je pensais qu'on était sur la jaune. Mais on était vachement proche de l'eau, pourquoi on n'est pas sur la jaune là? Oups. Ouais, c'est super beau les Açores en vrai. J'y participerai pas car trop dur pour moi, 15h le dimanche. Non, 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 avant c'était 15h le dimanche, mais là c'était vendredi 21h. Ouais, viens avec plaisir, y a aucun problème, aucune obligation. Pas de regret sur le bougeage de points. Oui, du coup, de fait, je me suis un peu rapprochée. En vrai, t'es pas si loin, Isoké. Okay. Ouais, ouais, je suis pas loin, c'est vrai, c'est sûr. Mais là, pour expliquer, en gros, on essaie pas de faire le maximum de points. C'est, en fait, le comptage, il est un peu différemment. C'est, il faut... Enfin, ton classement est déterminé par rapport sur un point en particulier si t'as fait plus que quelqu'un d'autre, tu vois. Donc, évidemment, c'est toujours mieux de faire... d'être très très proche du point. Mais là, le fait d'avoir le point très très précisément... c'est vraiment l'objectif. Et si des gens arrivent beaucoup à avoir ce point assez facilement que toi tu le rates, bah de fait t'es beaucoup moins bien placé que être très très proche d'un point que personne n'a réussi à avoir précisément. Tu vois un peu le délire. Bon, ça va sinon la femme? Oula, où suis-je? Oulala. Salut Ware! Comment ça va? Alors c'était bien Keep Top King et Nobody Explodes. Vous avez tout fait, c'est bon? Vous êtes dans les top 1% sur chaque module. Oh. Farine. Luchik. Sarine Luchik. Les 361, ça commence là, je crois. Ouais, je suis pas sûre de celle-là. Elle va piquer celle-là. Inok, Afto, Vov... Ok. Je sais pas trop ce que je cherche. Hein. Mm-hmm. Ah oui, c'est vrai que je suis dans un parc de mort, j'avais oublié. Y'a quoi de l'autre côté? Allô? C'est possible d'avancer ou pas? Ah non, c'est là où j'étais partie. C'est l'Ukraine, bravo! Merde. Et qu'est-ce que j'avais vu du coup comme numéro de téléphone? 68, je crois. Hein. Sarine et Luchik. 68, je sais plus. Mais c'est assez à l'est, je crois. C'est les 44, les 51. 68, ça doit être par là. À moins qu'il s'agisse d'un prank, évidemment. Oh putain de merde. Université, oui d'accord. Nanana. Vodnogo. Gos. Podarstva, ta, oui d'accord. Il n'y a pas le nom de la ville là? National. Putain, pas le nom de la ville là-dessus. Est-ce qu'on se met à Louhansk? Ah, cette Louhansk que j'ai vue. Vas-y, on se met à Louhansk. J'ai pas d'idée, c'est raté de toute façon. On va se mettre dans le parc qui est là. Ça va pas du tout être ça. C'est pas du tout ça. Ah, c'est Lutsk. Mais du coup, le 68, c'est un gros prank? C'est pas juste. Vas-y, c'est quoi déjà 68? Joguesseur, Ukraine, numéro de téléphone. 68, c'est où? 68, ça n'existe pas, Tarila. Allez. Énorme. J'adore ma vie. Je
Justement, une bille en géographie, j'ai aucun sens d'orientation, c'est pas du tout mon truc, Yogessar JPP. En vrai, ça s'entraîne, hein. C'est un peu comme tout. Merci, Aware. Et Inc, on n'a pas tout fait, au bout de 5 heures, le cerveau était embouilli. Ouais, et en plus, les tout derniers niveaux, c'est impossible à faire à deux. Il faut que t'aies au moins 3 autres personnes qui soient avec le PDF et que tu parallélises des actions en même temps, parce que sinon, c'est impossible de tout faire rentrer dans le chrono. Tranquille, ouais. Bon, tout à l'heure, j'étais en Russie. Ça va? Oui, c'est déjà mieux. J'avais vu un indicatif à 3 chiffres, alors j'ai pas réfléchi. C'était 362, je me suis dit, ah, c'est quoi, c'est Homs que je crois, un truc comme ça. Après, je pars dans l'autre sens, je vois un drapeau ukrainien, je fais, non, c'est pas ça. Et l'autre indicatif téléphonique que j'avais vu, c'était 68. Sauf que 68, ça existe pas. C'était non. Du coup, je me suis mis full l'est de l'Ukraine. J'ai vu Luhansk. Aïe. Et bah, en fait, quand t'allais dans le parc, quand t'allais au sud, tu tombais sur une espèce de théâtre, je sais pas quoi. Il y avait une grande affiche. Et dessus, t'avais le nom de la ville, t'avais le numéro de téléphone, enfin, t'avais tout quoi. Mais je l'ai vu en fait, le nom de la ville sur un panneau. Et en fait, je le connaissais pas du coup. Et j'étais vraiment persuadée qu'on était côté Est-Russie et j'ai jamais vu. Mais c'est normal parce que c'était pas là. Ah oui, c'est terrible. Bah, t'as fait comme moi la dernière fois là, quand je me suis mis à Orenbourg. Oh bravo, 22ème. Qu'on était en Ukraine. Merci, t'as fait. Ah oui, bah, du coup, ça t'a bien. Mais t'avais bien réussi les autres, non? J'ai pas réussi à 5K le point aux Açores, mais je suis vraiment pas loin. Le point Espagne, oh mon gars, je trouvais pas le bled. Parce que je cherchais Conil alors que c'est Conil de la Frontera. Et du coup, je trouvais pas. Ah, et vraiment, j'ai ping au dernier moment. Genre limite j'étais pas zoomé sur la bonne rue, tu vois, genre c'est là, vite. Et le Cambodge c'est scandaleux, faut vraiment que je te raconte ça. Quand tu fais genre 2-3 clics, je sais plus, vers l'est je crois, il y a un truc d'université où il y a marqué Takmao je crois. Ouais. Et je me suis dit, bah, ça doit être une ville, je cherche, je vois rien. Et puis à côté de Phnom Penh, t'as Krang Takmao, et je me dis, bah, ça, phonétiquement c'est la même chose, mais ça s'écrit pas pareil. Et je vois qu'il y a un gros canal et tout, et je mets mon point là, et je me dis, bah, je sais pas, c'est bizarre. Je bouge, et là, je vois des panneaux qui me disent qu'on n'est pas loin de la frontière avec le Vietnam, et t'as des bleds avec marqué Svei quelque chose, et il se trouve qu'il y a des bleds pas loin là-bas, donc j'ai bougé, alors que j'avais quasiment le point. Parce que l'écriture de la ville sur le putain de panneau n'est pas celle, pas exactement la même que celle sur la map. Aïe. Voilà. Non, c'est triste. C'est franchement, ça dégoûte. Hein, c'est... Ouais, par contre, j'ai eu le point Mexique, ça va. Pour moi, j'ai fait 4197, c'est dégoûté. Ah ouais, genre, t'as pas eu le temps de te placer sur la bonne rue. En fait, mais j'ai vu sur un bus, non la ville. Du coup, je me suis dit, mais ça se trouve, c'est pas la bonne ville. Du coup, j'ai paniqué. Et j'ai pas cherché la ville, quoi. J'ai cherché d'autres villes qui pouvaient correspondre. Et du coup, j'ai pas regardé, quoi. Alors que c'était évident, quoi. Eh bah écoute, voilà, on a chacun fait nos bêtises. Aux Açores aussi, par contre, ouais, j'ai eu cette Cidades, et puis il y avait une. Je sais pas si t'as vu le panneau où on voyait même des lacs et tout. Non, parce que je suis allée dans une seule direction en gros, et je suis arrivée dans le bled de Varzea. Okay. Mais par contre, je suis con parce que je savais que j'arrivais par l'est, mais je sais pas pourquoi je me suis mis sur la route jaune qui est au nord, parce que pour moi on était super proche de l'eau et il pouvait pas y avoir une autre route entre nous et le bord de l'eau. Ouais, c'était trompeur parce qu'on voyait au loin une ville sur la côte, donc tu disais qu'on était quand même assez loin. Mais je suis con, moi j'ai eu cette Cidades et là qui j'ai oublié en cours de route, quoi. Ah oui. Pas mis du tout là. Mais dommage. Allez, c'est quand même pas mal. Oui, c'est pas mal, on s'en sort mieux. Oui, on s'en sort mieux. Sur les map move, en tout cas, c'est terminé. On va faire le no move maintenant. Let's go. Bah, allez-y, hein, du coup. Oui. Allez, oui, tout à fait. Allez, bah écoute, bonne chance et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Ok, alors là, j'explique pour les gens qui sont pas familiers de GeoGuessr, il y a aussi des modes de jeu où tu peux configurer tes games, et là, en l'occurrence, cette game est configurée pour que les déplacements ne soient pas autorisés. Par contre, on peut regarder autour de soi, etc. Donc normalement, c'est des modes de jeu où les points sont choisis pour que tu aies suffisamment d'infos pour pouvoir te placer, etc. Voilà, c'est une autre manière de jouer que j'aime bien, parce que t'es pas obligé de cliquer et de chercher l'info, normalement elle est là. Maintenant, bah, si tu sais pas l'exploiter, bah dommage, t'as que ça, tu vois. Donc, c'est à double tranchant.
Ouais, attends avant de dire que ça t'impressionne parce que tu on sait pas ce qui va se passer sur cette map. Allez. Bintoulou, c'est là. Lambir. Ok, on va voir. Non. Bourg... Miri, oui, Miri c'est là-haut, ouais, donc c'est logique, c'est vers le nord, donc ça m'arrange. Sarawak, c'est le nom de la région où on est. Et là, tu dis quoi? Ah, il faut vraiment que je cherche Lambir, en fait. Lambir, hein. Bintoulou, Lumber Development. Quel est le prank? D'accord, qu'est-ce que je vois? Pompe beaucoup, bon. Une route qui serait globalement orientée comme ça. Pourquoi je vois pas ce truc? C'est quoi? Est-ce que c'est un quartier? Non, ça marche pas bien. Il me reste 30 secondes. Je sais pas. Pourquoi je vois pas ça? Lambir? Peut-être que Lambir, c'est un nom commun en fait. On serait vraiment un Bintoulou et c'est tout. Merde, mais j'ai pas compris le point. Fuck. Quoi? Ah, Lambir, c'est le nom du. Ok. Wow, par contre, le nombre de points que tu perds. Oui, parce que plus la zone est petite, plus t'es obligé d'être précis. Ah ouais, j'ai pas. Ouais, j'ai pas compris. Lol. D'accord. Donc, Bintoulou, t'es grand mort, cordialement. Ça peut être ça? Non, ça ressemble pas. D'accord, ok. Tioman, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Island Reef Resort, Idaman Beach Holiday 09. 09, c'est ça. C'est dans ce coin, je crois. Getting Village. Clinique, nanana. Paang Darul. Paang. Et pourquoi il y a une île? Ah, c'est ça! Tioman Island. Ok, j'ai compris. J'ai compris l'eau. Il y a un terrain de basket, enchanté. Là, c'est la plage. Island Reef Resort, peut-être que ça se voit. Ils ont un aéroport, évidemment. Moi aussi. Ah ok, on est peut-être là. Alors c'est ça que je vois là. Et la plage elle courbe. Clinique. Ah non, il y avait une clinique là. Je compte clinique machin, ça se voit ou pas? Je comprends pas exactement où je suis. Ah là, c'est là. Oh putain. Oh le Tioman Island Reef Resort là. Ok. Ok, c'est bon. Tout va bien. Tout va bien. Tout est sous contrôle, d'accord. C'est beau, ouais. Des fois, ça arrive que tu cliques
au dernier moment et que ce soit pas pris en compte parce que c'était vraiment trop trop tard. Donc tu vois que genre ton point s'est déplacé là où t'as cliqué, mais le jeu considère que c'est encore le point d'avant. Ça arrive des fois et c'est rageant. Penang Hill. Penang. Penang. Penang Hill. Ça me rappelle quelque chose, Penang Hill. J'avais pas eu un point hier à Penang Hill. Les collines de Penang. D'accord. Qu'est-ce que je vois sinon? À mon nord, il y a des collines. Super. À mon nord, il y a des collines. What the fuck? C'est tout? Sri Aroli. Ah! Sri Aroli, c'est. Non. Je confonds. Avec quoi je confonds? Je confonds avec ça, ce qui n'a rien à voir. Super. Penang Hill. Ah oui, c'est là où il y avait le téléphérique. D'ailleurs, c'est pas. Non, ça, c'est des câbles électriques. Mais ouais, j'ai eu un point hier, pas loin de cet endroit. Sri Aryoli Trimturu Temple. Un temple. Hindu Temple Penang Hill. Golden machin. Attendez une seconde. Faudra penser à clutch rapidement. Sri Aruoli. Est-ce que c'est. C'est peut-être un. Ouais, je sais pas. Un nom de bled. Je sais pas. C'est ça! Oh! Je crois que c'est 25 ou 26 mètres la limite. Ouh! C'était bien ça donc. C'est bizarre, il y avait une route là. Ah oui! Ok. Ok. Ok, bon bah tant mieux. Écoutez, tant mieux. Salut Nils! Merci beaucoup pour le GG. Comment ça va? Negeri Paang, Stadium Darul Makmur. Negeri Paang. Pas ça, Negeri Paang. Non, ça c'est Selangor. Negeri Senbilan. Dans Paang. Paang, c'est là. Negeri, peut-être là. Stadium Darul Makmur. Oh! Stadium Makmur. On est devant, on doit être là. Attendez, on va quand même bien se placer parce que c'est facile de perdre des points. Ouais, on est bien au milieu, je pense, là. Ok, 2 mètres. Oh, quel plaisir! Ça va, je me casse juste la tête à utiliser les panneaux ID pour mapper une imposteur. Oh, jure! Ok. Tu restes un peu sur le même principe que ce qu'il y avait eu dimanche ou tu tentes autre chose? Et bah toi aussi, Kiston, merci d'être venu faire un petit coucou et au plaisir. Des bisous. Je me rappelle plus ce que c'est. Ah, Klang. C'est où Klang déjà? Je panique. Merde, c'est où Klang déjà? Restaurant Bismillah. Ok, super. Bazar mini. Zéro trois, c'est là. C'est là Klang? Non.
Putain, c'est où Clang déjà? Kongar, merde, c'est où? Eritapi Klang. Je sais plus où c'est. J'ai envie de trust le numéro de téléphone, mais si c'est pas ça. Je sais plus où c'est. Oh fuck. Ah, Clank, c'est là. Ah, mais leurs noms de bled qui sont pas affichés là, ça me gonfle. C'est où Clank déjà? Je me suis dit la même. Non. Ouh. Oh non, ça s'est mal passé. En no move plutôt qu'en NMPZ, ok. Heureux. Heureux. Bon, ça s'est pas bien passé, hein. Ah oui, je l'ai vu. Clang. Tu savais plus. Tu l'avais eu en entraînement en plus. Mais oui, mais déjà, mais ce qui m'a saoulé, c'est que j'ai vu un numéro de téléphone en. Oh, je suis débile! J'ai vu un numéro de téléphone en 03 et je me suis mis là-haut. Oh non, je suis conne. Ah non, 03, 03, c'est quoi la Lumpur et compagnie? Putain, je suis débile! Oh non. Maintenant que je le dis à l'oral, je me rends compte. Et le point 1, j'ai rien compris. Hein. Pareil. J'ai pas compris non plus. Mais en fait, c'était le nom du parc Bukit Lambir, mais. Bah ouais! Mais bon, il était en marqué Lambir partout que. Ouais. Je m'attendais à un bled en fait. Mais en fait, vu qu'on était. Ça disait qu'on était du verbe Bintoulou. Je m'attendais pas à ce que Bintoulou, ça. Il y avait aussi un panneau Miri, quoi, mais. Ouais, mais il y avait une adresse machin, virgule Bintoulou. Bah, tu dis, bon, ok, on est Bintoulou, au nord de Bintoulou, vers Miri. Non. C'est. Putain, je fais n'importe quoi au R5 là. Pouh, là, là. Il y avait aussi le drapeau de l'État, mais bon, ils avaient pas. Je l'ai remarqué, mais je me suis dit que j'allais pas tunnel dessus parce que je me rappelais plus. Ouais, ouais. En haut c'est 4, oui, en haut c'est 4, et ensuite, genre Perak, c'est 5. Ouais. Putain, mais je suis débile, j'ai eu 0-3 et j'ai. Ouais. Je vais trop vite. Ça arrive. Ouais, bon, je les ai appris hier quoi. Ouais, c'est vrai. Pas mal. Par contre, ouais, toi, tu l'as eu le parc? Ah oui, tu l'as eu le temple. Ouais, alors déjà, le Penang Hill Habitat, j'avais eu un point la veille, j'étais dans un téléphérique. Ah ouais? Non, c'est pas un téléphérique, c'était un funiculaire, pardon. Et c'était là-bas. Et donc enfin, j'ai mis du temps, mais quand j'ai vu l'île, j'ai fait, attends, je crois que c'est là. Par contre, le nom du temple, j'ai cherché longtemps. Et je me suis mis devant un temple qui pouvait marcher, mais j'étais pas trop convaincu, et c'était ça. Bah, mais moi en fait, j'ai même pas vu. En fait, fallait zoomer fort pour le voir. Du coup, j'ai cherché partout. J'ai pu rester là-dessus, et j'ai fait 4198, du coup, j'ai un peu deg. Ouais, je vois que t'es un peu à côté. Bah, j'ai failli pas 5K de. J'ai failli pas 5K. Ah, bah oui, j'ai failli pas 5K celui-là d'ailleurs, parce que j'ai fait, je crois, 24 mètres ou un truc comme ça. Ouais, j'ai fait 24 mètres. Ah, mais vraiment, je suis deg pour le R5. Voilà. Ouais, c'est dommage, mais ça arrive. Yes. Ok, allez. Toc, 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 toc. On se fait la map de Manamix Day. Oui, same latitude. Ok. Attends, on est d'accord que les latitudes, c'est les. J'allais me demander pareil. Merci, jamais. C'est genre New York. New York-Bordeaux, genre. Oui, c'est les horizontales, ok. Oui, voilà. On se trompe pas. Oui, c'est ça, hein. Oui, c'est ça. Ok. Bon, bah écoute, bonne chance. Allez,
le mental, le courage. Tout à fait, tout à fait. À toutes. Ok, il y a R. Aïe, aïe, aïe. Bon, en même temps, j'ai appris un peu à jouer la Malaisie, genre hier, donc des choses qui sont fraîches et des choses qui le sont un peu moins. C'est pas grave, tant pis. On a fait 25K sur l'Europe, on a fait quasi 25K sur la Malaisie. Move. C'est normalement mieux que la semaine dernière. Ok, voiture noire, ça roule à droite. Salto. Salto, salta, c'est pareil ou pas? Ok. Salto, non, azul. Machin de haricot. Chivilcoy. Azul. Merde. Oula. Ça bute du moustique apparemment. Ça fait peur. Du coup, c'est pas l'Argentine? Attends, quoi? Pourquoi je vois pas les trucs? Je comprends pas. Je comprends pas. Attends. Non, je comprends pas. Chivilcoy, putain. Mais c'est où Az machin là? Putain, mais quoi? Azul. Azul. C'est où? Au sud? Je comprends pas. C'est où? Azul. Argentine. Quoi? Mais putain, ah putain, mais fallait zoomer de fou! C'est Chivilcoy qui se voyait. Oh non! Ok, bon, ok, tant pis. Tant pis. Donc on est à côté de Pergamino. Et plus précisément, on est à Arrecifes, sur la 51. Fesse, pardon. Ok, bon, tant pis. Encore une voiture noire, ça roule à droite. Donc j'ai dit, on était là. Fesses. Football. Et quoi, on est genre sur la route à côté ou un truc comme ça? Mais je sais plus exactement qu'est-ce que c'est comme route. Quel est ce prank? Comment? Est-ce que le point a bougé? Enfin, comment je suis censée trouver? Le bar football? Enfin, je regarde très proche de là où on était tout à l'heure, parce que je vois pas comment je suis censée trouver. Donc ça doit être un délire un peu dans ce style, non?
Ouais. Je sais pas. Pas ça. Ça peut-être. Non. Mais quoi? Mais comment? Quoi? Mais comment? Je comprends pas. Comment je suis censée trouver? Bon. Bah, Florida, alors, très bien. Florida, la grosse blanche qui va là-haut. On est à côté du pub des scorpions. Vous l'avez compris, ce point, vous? Moi, je j'ai pas capté, hein. Carlos Gaona. Donc là, j'ai l'impression qu'on est plus au Chili pour le coup. Donc on avait dit par là, Pergamino, Arrecifes. Et par là, je crois. Dans le genre. Ok. Ça peut être ça. N'y a pas de maison là. Ah là, peut-être plutôt. Oh, j'ai bougé. Ah non, j'étais pas sur le bon. J'étais là. Ok, bon, je me suis éloignée. Ok. Ah, mais dur. Ok, San Ramon. Au-dessus de Rancagua. Putain, c'est dur. Sur la gauche. Afrique du Sud, donc. Oh, mais quoi? Mais. Oh là là. Alors, on était à Florida. On était où? On était là. Ok. Faut voir le pays être très fort. Merde. Oh, intéressant ça, tu peux tourner avec les flèches ta map. Enfin, bref, la street view. Oui, parce que j'ai perdu le focus. D'accord. Oh là là. Incre la strat clavier. J'ai peur que ce soit pas ultra précis non plus. Oups. Que ce soit pas ultra précis non plus. Là, peut-être? Let's go.
Il aura fallu 4 points pour me calibrer, mais. Merci pour les GG. Ah, attendez, paniquons pas. Nous étions à gauche de Vieboom. En bas droite de Stellenbosch. Ah, oui, d'accord. D'accord. Donc j'ai dit. Vieboom à gauche, on était là. Et on a les poteaux caractéristiques du normalement South Australia, je crois. Donc quelque part par là. J'ai la mer à mon nord. Ah oui, on peut être genre par là. Ou alors là, à Moonta Bay. D'accord, qu'est-ce que j'ai comme rue? Donling Drive et Harris Pond Drive. Donling Drive, oh! Putain. J'ai tellement pas trust que c'était parfaitement aligné. Ah, qu'est-ce qu'elle est forte, Madame XD. On l'embrasse, évidemment. Allez! Ah mais le R1, j'ai rien vu. Rien du tout. Rien compris. Oh, Nakiro, la dingue, bravo. Heureux. Heureux. Bon, le R1, j'ai rien vu, j'ai rien compris. Ah. Vraiment, j'ai vu aucun bled, donc impossible de me placer. Je me suis mis près de Salta, je me suis dit ça doit être un délire, tu vois. Et après, le point en Uruguay, j'étais en mode genre, c'est un prank, il n'y a aucune info, donc je me suis dit, je vais mettre dans pas très loin du premier point. Je me suis dit, c'est peut-être un truc comme ça, tu vois, qu'il y a un prank de type, en fait, c'est 5 points qui sont vraiment pas très loin les uns des autres, tu vois. Du coup, je me suis mis à l'endroit du R1 à peu près. Merde. Après, tout le reste, ça a été ok. Ah oui, d'accord. Bah ouais, parce qu'il y avait tellement zéro info, j'étais en genre, mais... Comment je suis censé trouver quoi que ce soit, c'est pas normal. Donc ouais. Un peu fâté là-dessus. Hein. Ouais, je vois, mais il y en a qui l'ont quasiment eu. Hein. Ouais, bah en fait tu vois, je me suis mis à machin la ville d'avant et puis j'ai scrollé avec les flèches. Et c'est Florida, c'était le seul qui correspondait un petit peu, mais j'étais pas sûr. Et j'ai eu de la chance. J'ai pas trust le process, mais après pour les trois autres, j'ai vraiment fait en mode. Ok, vas-y, full flèche, et le premier truc qui marche, ça doit être là. Ok. Alors, un petit peu déçu, du coup, du R1. En vrai, si t'as pas le premier point, bon, bah, c'est pas grave. A priori, après, t'auras les autres, mais bon, bah, si t'as pas le premier point... ça fait... Des fois, j'étais avec le nom de pas mettre exactement à l'emplacement du round précédent, et du coup, ben, t'es pas bien aligné. Tu retenais pas où était le round d'avant. Bah ouais, ou même je mettais mon point et je laissais scroller, mais sauf que bah en Afrique du Sud, typiquement, c'est ce qui s'est passé. Je me suis mis sur la ville de Florida et pas un peu au nord. Du coup, je me suis mis sur le virage en dessous. Et du coup, j'ai pas eu le bon virage. D'accord, ok. Ouais. Donc, bon, mais tu fais quand même. T'es troisième de la map, hein, donc bravo. Ça m'a surpris, je m'y attendais pas. Ouais. Bravo, bravo. Merci. Ouais, je sais pas qu'est-ce qui. Ouais, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vraiment compris le R1 non plus, apparemment. Oui, non, bah en fait, j'ai eu la chance de voir Stevie de Coy, quoi, mais sinon, ouais, je cherchais les villes partout, et puis Salto, ça me parlait, mais je crois que c'est une autre ville. Il y a Salta, mais au nord de l'Argentine. Et en fait, la ville qu'ils voyaient, c'était Chilcoy, je crois. Ouais, c'est Chilcoy, c'est ce que je dis. Et c'est celle que j'ai vue à la toute fin. Et ensuite, j'ai vu Salto, j'ai pas eu le temps de cliquer dessus. Mais... Ok. Mais ouais, fallait trouver quoi. On fait la CS avant de finir avec le NMPZ. Ça marche. Ok. Allez, je me suis pas trop entraîné sur la CS, toujours pas, donc on va voir. Mais je vais essayer de la jouer comme je joue mes rurales, on verra bien. Ok, bon, on verra, ouais. Bon courage. Ouais, allez, à toutes. À toutes. Bon, spoiler alerte, on va attendre Nakiro pendant un quart d'heure, à peu près.
Allez, c'est parti. Queen's Wharf. Il y a des plaques jaunes, ça a l'air de rouler à gauche. Ouais, pas de prank. Évident. Du cas, hein, tout est logique, hein, tout est normal. Hein. On était où? On était à Reading. Ok. Next. You do reminds you of me. You close your perfume, it's like I'm still in the front seat. Why you gotta be so crazy? Hey! The tweet is not about you, baby. Bulgarie. I'm the only thing that's going through your mind. Ah, y a pas d'antenne. Et y a de la Gen 4 en Serbie ou en... Ah, y a un drapeau. C'est un drapeau bulgare, ça. Ouais, hein. Ok. Let's go. Salut Rick, comment ça va? Rick! Attends, je lis ton message après. C'est pas les poteaux du Chili, ça? Ouais, c'est le Chili, ouais. Oh, ah, par contre, Nakiro, il voit pas le rouge. L'Ukraine. Voiture rouge. Attendez, je réfléchis. C'était soumis. Ok. Il y a Salto en Uruguay. Ah, ok. La ville cachée près de la frontière avec l'Argentine. Ah. C'est où? Ah, yeah. Tu vas bien sinon? Il y avait aussi le trident sur la voiture à l'est, si jamais. Ah, ça c'est un emblème ukrainien. Très bien. Je note. Veige, c'est Pays-Bas. Pas du tout. Non, c'est Vague. Vague, Pays-Bas. Prenons une ville au pif pour se rassurer. Veige, ok, c'est ça. Tout à fait. La voiture était rouge. Ah, j'ai pensé à ton Akiro. Oui, la voiture était rouge. Désolée, ouais. Ah, c'est chiant. Mais apparemment, il y avait une autre info qui pouvait permettre de trouver sur une voiture à l'est. Il y avait une sorte de trident. Et apparemment, ça permet aussi de déterminer que t'es en Ukraine. J'en ai marre. Ah ouais, bah ça. Le daltonisme, ouais, ça rend. C'est injuste. Comment se passe à Cactus? En vrai, pas trop mal. J'ai un peu raté les no moves. J'étais pas super satisfaite de moi. Mais les moves, ça s'est bien passé globalement. Là, on fait la CS et ensuite on fait la NMPZ et après on pourra avoir un import si quelqu'un est là pour faire un import. J'ai vu, mais j'ai cru voir l'aigle russe plus que le trident. Ah ok, moi je connaissais pas le trident, donc heureusement qu'il y avait la voiture rouge, sinon je sais pas ce que je mettais. No parking. VIP fitness. Ah, bah c'est le Sri Lanka. Non? Les plaques sont pas jaunes. Est-ce que c'est des petits culs là-bas sur la voiture? Et des touc-touc. Et puis il y a la voiture bleu-blanc-rouge là. Ah si, il y a des plaques jaunes là sur cette moto. Let's go! Un tracteur. Je reconnais ce tracteur. Grande antenne. Ok, c'est République tchèque ou Slovaquie.
Et je dirais République tchèque. C'est pas évident de voir. Je sais plus comment ils sont les panneaux en Slovaquie en mode entrée de ville. Il me semble qu'ils sont un peu similaires, mais là, c'est difficile de voir. C'était la Slovaquie, ok. Tant pis. Tant pis. Ah bah. Ouais, je crois que le bord noir est un peu plus éloigné et un peu plus fin. Non? Ouais, voilà, en Slovaquie, le liseré est collé. Ouais, mais j'avais du mal à être certaine qu'il était collé ou pas. Oui, alors attends. Ah! Les métas de l'enfer. Ah bah c'est l'Europe, hein. C'est complètement l'Europe. C'est parfois dur à voir. Ouais, alors là, surtout qu'on avait une gêne moins. Enfin, pas très. Enfin, moins bonne que ce que j'ai là quand je clique. C'était un peu loin, donc bon. Tant pis. Là, je me suis dit, ça avait l'air assez vallonné. Parce que statistiquement, du coup, sur un 50-50, c'était pas plus intéressant de mettre la Slovaquie, je sais pas. Heureux? Crénel. J'ai pensé à toi, hein. J'ai vu la voiture rouge, j'ai fait oh non. J'en ai tellement marre. Ouais, Et en plus, même l'autre élément, je me suis convaincu que c'était la Russie, quoi. Bon bah, je crois que c'est la première fois que je te bats à la Counter-Strike Ouais. cette Moi, saison. quasiment tout le monde l'a eu, hein. Vraiment. Il a fallu que ça arrive en deuxième en plus. Ouais, mais bon, bah là, c'est pas ta faute, quoi. C'est. Ouais, mais bon. Voilà, c'est quand même un peu. Ça impacte le score, quoi. Voilà. Ah, c'est. Yes. Évidemment, la Counter-Strike était plutôt facile cette semaine. Putain. Ah là Ça fait là. combien? Il y a eu du 50-50 République tchèque-Slovaquie qui a fait mal. Ah oui. J'ai fait 5. Non, oui, 5. J'ai fait 5. Ah, bah, bien joué. Ouais, bon. J'aurais pu faire mieux, je suppose. Ah, le maximum est à 13 quand même. Oui. C'était assez dur, visiblement. Roumanie versus Grèce. Ah ouais. Dommage qu'on puisse plus voir les points. Oui, c'est trop chiant, ça. Je pensais pour éviter la triche, mais. Bref. Ok. Ouais. Allez, il nous reste la petite NMPZ. Et Ouais. après on pourra. On va déjà voir son score si on a la chance de voir son score et puis probablement aller dodo par la suite. Ça marche. Je suis prêt. Allez, bah bonne chance à Bonne toutes. chance à toutes. Donc ouais. J'ai try, j'ai perdu. Comme beaucoup apparemment, donc ça va. Allez, c'est la dernière map. Map, le monde, NMPZ. Oui, le monde en fait, juste monde. Ok, let's go. Les cactus. Bon, la patch, j'ai eu ce point. Ligne jaune au milieu. Ouais, et des bonnes montagnes. J'ai pas l'impression que ce soit le Chili. Attends, on voit pas d'ombre, on voit pas où est le soleil. Si les ombres là vont quand même plus vers le nord, donc plutôt Mexique quand même. Ensuite. Ouais, c'est pas mal sec. Des montagnes un peu. Est-ouest, peut-être quand même légèrement plus nord-ouest, sud-est.
Il est peut-être très haut, hein. Restaurant L'Oasis, super. Ouais, je sais pas, on va se mettre là, écoutez. Voyons voir. Ah, c'était beaucoup plus au sud, ok. Mal évalué le caractère sec de l'endroit. Bon, on avait le pays. Peut-être un guest pif dans le pays, ça aurait été... Un guest au milieu du pays, ça aurait été plus intelligent. Faut pas lire. Einre in. Ah, il y a un numéro de téléphone brésilien. Je sais pas où on est, hein, par contre. Hein. On va se mettre au bord de l'eau. Einre in. Il y a un bled qui s'appelle Einre. Ouais, les gens sont en maillot, on est très très proche de l'eau. Et le numéro en 7 quelque chose, est-ce que c'est pas un peu plus haut en gros, en vrai? Je connais pas mes numéros de téléphone brésilien. Il me semble qu'en haut c'est 9. Et par là c'est 6. Ouais, donc les 7 ça pourrait être par là. Hein. Ahem. Voyons voir. Itacaré, ok. Ah, c'est Itacaré. Ah, moi je lisais un H. Ah, dommage, c'est 5 caps de ouf. D'accord, ok. Bon, pas beaucoup de points encore une fois. Il y a un panneau à gauche. Hémisphère sud. Il y a quand même un panneau à gauche, donc je serais tentée de dire que ça roule à gauche. Est-ce qu'on serait dans les montagnes par là? On est un peu entouré de montagnes. Oula, bon, là, je pense qu'il y a trop d'infrastructures. On est orienté nord-ouest. Je pense pas qu'on soit sur une route jaune. On va se mettre par là. Je sais pas. Waouh, ok. C'est complètement de l'autre côté. C'est dur! Très dur. Kizilirmak. Alors. Il y a la montagne, mais c'est très vert. Et là, il y a quand même un courant d'eau. Je pense pas que ce soit très visible en vrai. Dit-elle en zoomant sur les gros trucs.
Hein? C'est quoi? Kizilirmak? Merde, c'est ça? Un pont donc. Là? Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Chaud en vrai. J'ai du mal à savoir. Mais bon, ça me plaît bien. C'est plus là-bas, ok. Bien joué, ma peur. Et Ottawa, bravo. Ça roule à droite. Cambodge. Craque de partout. Bon, avec des montagnes comme ça, ce serait. C'est plutôt plat le Cambodge, non? À quoique, par là. Je sais pas s'il y a beaucoup de street view par là. S'orienter plutôt nord-ouest. Bon, est-ce que ça peut être autre chose que le Cambodge? Ah, les Philippines peut-être? Ah. Oh ouais, peut-être plus les Philippines que le Cambodge quand même, non? Oh, je me serais jamais mis là. Bon, ça aurait été mieux, mais ok. Et eh ben, c'était difficile, hein. Difficile. Heureux. C'était dur. Oui, c'était pas très simple. Je trouvais aussi un peu, ouais. Mais je sais pas, ouais, genre le point Mexique, pas compris non plus, quoi. Ouais, toi aussi tu t'es mis vachement haut. Ouais, bah ouais. Je me suis mis là dans le Chihuahua. Ouais, je sais pas. Ouais, ah oui, tu t'es mis au Pérou sur le dernier point. Je me suis gouré de pays aussi. Je me suis mis au Cambodge et je me suis rappelé au dernier moment que les Philippines ça existait. Mais je me serais jamais mise sur Palawan. Ouais, non, le Cambodge, il n'y a pas autant de relief, quoi. Mais Ah, et ouais, pareil, l'Afrique du Sud, tu t'es mis ouais, sur les montagnes près de Cap et tout. pas là, quoi. Et je suis déçue, le R2, c'est tellement 5 câbles en fait, mais je lisais pas Itacaré sur le panneau là au Brésil, je lisais quelque chose qui commençait par un H. Pareil. Pareil, j'ai lu Y a carré, je crois. A carré, ouais. A carré, pas Y a carré. Et T'as tu t'es carré. mis vers Salvador à cause de l'indicatif? Ouais. Ah, je Je connais pas savais mes plus. indicatifs. Depuis 73, où c'était, j'étais plus trop sûr. Je savais que c'était pas Salvador. Et j'avais un feeling qu'on était sur la côte, mais je l'ai pas trop suivi. Dommage, mais Ouais, il y avait des gens en maillot et tout, donc en vrai. ouais. Oui, voilà, ça doit être ça en fait, simplement. Le fait qu'ils étaient en tongs. Ah, mais le gamin, il était. Enfin, tu voyais que c'était un short de bain et tout, enfin.
Ouais, ok, c'était pas très évident. En vrai, en no move plus qu'en NMPZ, je pense qu'il y avait moyen de faire mieux, mais ouais. Non, non. Ouais, non, le dernier, ouais, c'était Pérou-Philippines, juste l'autre call. Ok, bon, je sais pas s'il y a des admins pour faire des imports dans le coin. Pas demander les imports, sinon ils viennent pas. Oui, non, mais d'accord, mais je regarde quand même au cas où dans les viewers si je vois un nom. Ouais, bon, on verra, hein. On verra Je bien. pense qu'on est bien sorti. Ça Ah, doit je sais être. pas, j'ai bien démarré, j'ai moins bien. Ouais, j'ai mal Après, fini. il y a la CS moi aussi de mon côté, même si j'y peux rien, ouais, c'est pas Ouais, terrible. c'est rageant, ouais. Parce que c'est pas genre, tiens, tu t'es gouré, tu connais pas les bêtas, tu vois. Enfin, si après le coup du trident. Moi, je connaissais pas le coup du trident, il y aurait eu que ça, il y aurait pas eu la voiture rouge, j'aurais pas su qu'on était en Ukraine, hein. Clairement. Ouais, mais j'ai pas vu. C'était un peu loin, j'ai pas les bien identifiés. Ouais. On verra. Ouais, non, je pense qu'on Ouais. n'aura pas d'import. Non, je pense qu'il n'y aura pas d'import ce soir non plus. Mais c'est pas grave, tant pis, on verra demain. On verra, ouais. C'est pas grave. Non, mais je pense que c'est pas mal. C'est mieux, ça serait mieux que la semaine dernière. Après, faut Déjà. voir, hein, parce qu'elle était quand même pas trop dure, donc je pense qu'elle était pas trop dure pour tout le monde, donc enfin Ouais. pour pas mal de gens. De ce que j'ai vu globalement, on était plus. Enfin, moi, j'étais dans les fonds du classement la semaine dernière, donc. Je pense que ça s'est quand même mieux passé, même pour toi aussi. Après, faut voir. Ouais. C'est du round par round, donc des fois. Mais. Faut se méfier, mais. Ouais. Mais le point 3 de la NPZ, ça me disait quelque chose. Je me demandais si c'était pas un truc genre que des replis de la saison 1 ou des trucs comme ça, mais. Moi, c'est le point 1 qui m'a dit un truc, pour le Ouais, coup. pareil. Bah, pareil aussi, en fait. Et ces deux points, ils m'ont dit quelque chose. Bah, je sais pas, en vrai. C'est plus. Mais c'était dur en NMPZ en vrai. Ouais. Mais c'est pour ça que je me dis, il y en a peut-être qui avaient les refs. Certainement, mais puis les gros joueurs paysages, je pense que ça a dû stonks un petit peu. Ah, un sondage sur la World Cup. Je vais aller lire ça immédiatement. Ok. Bon. Amir disait tout à l'heure que Madame XD l'a fait vite avec des points qu'elle aime, car ils avaient oublié. Ah! Ah. Je sais D'accord. qu'il y avait des petites du coup dedans. Parce C'est possible, que. ouais. C'est grave possible. Oui, du coup, il y avait des cactus. Ça, pour le coup, ouais, j'ai remarqué. Quoique, attends, Ça c'est vrai. il y avait des cactus en Philippines, là? Non, il n'y en avait pas là. Ah ah! J'ai complètement oublié l'existence des Philippines, c'est dommage. Ouais, parce que les pays c'était en Asie, dans les pays qui roulent à droite, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Mais ouais, puis j'ai dit Cambodge et puis voilà, c'est tout. Ça arrive. Oui, j'ai pas vu au Brésil qui s'était mis à faire Rio de Janeiro du coup. Mais je connais pas mes indicatifs téléphoniques du coup. Du coup, t'as eu 73 ou t'as eu 13? Parce que là où tu t'es mis, je crois que c'est le 13. Ah bon? Bah non, j'ai eu 73. Non, mais je connais vraiment pas, hein. Je sais pas. Je sais juste que tout au nord c'est genre 9 et puis voilà. Ah non, j'ai eu la c'est Allez, pas incroyable. 90 quoi. Voilà, bon, on va pas attendre, je pense, beaucoup plus Non. longtemps. Je vois qu'il y a Pépin qui est en train de faire la cactus, donc je pense que je vais envoyer les gens là-bas. Moi, j'ai pas encore mangé, donc je vais aller manger. Ah, pareil. Et ouais, puis demain, grosse journée, donc je peux pas me coucher trop tard. Mais c'était fort sympathique, écoute. Ah oui. Pour rappel, tournoi à chill de GeoGuessr vendredi à 21h, tournoi solo pour ceux qui sont intéressés. Donc pour toi également, Ok. Nakiro. Je sais que je verrai, ouais, je verrai. Donc voilà, rendez-vous est pris. Venez si vous voulez, c'est ouvert à tous. J'ai un titre à remettre en jeu, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Et moi, il faut que je te batte. Voilà, j'ai fini deuxième la dernière fois. Parce que le tournoi est complètement rigged, évidemment. N'hésitez pas. Bon allez, je te fais des bisous. Bisous. Je m'enfuis. Bonne Et à app. bientôt. Ouais, toi À bientôt. aussi. Ciao, bye bye. Salut.
Et bisous à vous, le chat. Merci encore une fois, Toline Pala, pour le raid. Je vous envoie chez Pépin. Qu'est-ce qu'on envoie à Pépin? Bah, on va envoyer un petit bonne chance, voilà, tout simplement. Un petit bonne chance. Votre ami Pépin. Voilà, passez un bon moment là-bas. Toujours pas d'import, on verra bien le score qu'on a fait. Certainement demain, voilà, des bisous, bonne nuit, je vais manger. Bon appétit à ceux qui n'ont pas mangé non plus. Ciao, bye bye. Et demain, on fait du Life is Strange à 21h. Des bisous.